Coucou mon amour, c'est qui le plus beau? C'est qui était au coiffeur? Waouh, elle est beau. Très bien. Comme lui, il est beau. Coucou, tu me regardes pas? Coucou. Coucou mon amour. Coucou mon amour. Oui. Oui, je suis en train de te filmer parce que tu es très 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 beau. J'ai acheté à la Migros, il était à 50%. Là, c'est marqué 29, mais il était à 50% de 29. Et j'aime bien ça, j'ai déjà un, parce que j'aime avoir le matériel pour mes projets créatifs à côté de moi. Et j'avais un, mais j'avais quand même beaucoup de matériel dans mon sac et je trouvais que c'était pas très pratique. Alors, j'ai acheté celle-là et je vais monter. Je suis désolée, je suis malade et j'ai du mal à parler aujourd'hui, mais je voulais montrer ça. Mon petit chariot, il est prêt et maintenant je vais mettre les choses, je vais organiser le matériel que j'ai pour mon projet créatif, mais je pense que je vais mettre des livres aussi, des livres, mais des livres de bricolage, de projet créatif. Bon, ça c'est bon, c'est fait, je suis contente. Comme ça je vais avoir je vais pouvoir avoir plus de matériel à côté de moi. Je vais montrer comme j'avais fait pour arranger un petit peu le matériel parce que
Je cherche toujours le matériel, je ne sais pas où il est, et comme ça, je mets là le matériel que je veux pour le futur projet. Je suis désolée pour ma voix, mais je suis très malade. J'ai une grippe terrible. Mais je voulais vous montrer ça une fois que c'est organisé. C'est pour ça que j'ai décidé de venir ici parler quand même, mais je suis désolée, ma voix aujourd'hui. Mais bon, je suis en repos à la maison, c'est déjà pas mal. Je mets toute cette laine-là, en fait, c'est de laine pour de futurs proches de projets créatifs. Je mets la laine que je veux là. J'ai encore beaucoup plus d'autres, mais comme je ne veux pas le toucher le prochain jour, alors j'ai décidé de laisser où ils sont. Et je mets seulement la laine que je vais besoin pour des projets vraiment futurs proches, en fait. Tout ce qui est là, je vais faire de projets. C'est pour ça que je mets là, comme ça, c'est pour me rappeler. Parce que parfois, j'ai envie de faire des choses et après, j'ai oublié. Et comme ça, je sais que chaque laine, elle a un projet spécifique, ou peut-être plus qu'une, mais bon, ils sont là pour faire de futurs projets. Et ensuite, je mets là, c'est pas rangé, hein. C'est pas, mais le problème c'est pas intéressant que ce soit rangé ou pas, parce que de toute façon, je vais utiliser ça, c'est pas pour rester comme ça pour toujours, en fait, c'est pour prendre n'importe quel moment. J'ai laissé ici quelques tissus, en fait, parce que je veux faire des projets avec ça. Et après, je change au fur et à mesure de mon projet. C'est pour ça qu'ils sont là comme ça. Je mets le tissu tout là. Hein. C'est pas n'importe quoi, mais c'est pas pour être joli, mais pour être, comment dire, pour utiliser. Alors, c'est seulement pour que le tissu soit séparé de la laine. Mais là, le tissu est là. Et les livres sont là. Je vais enlever ça parce que c'est où? Pardon, c'est autre genre de livre. Et ici, c'est tout le livre de bricolage, en fait. Ils sont là, je mets tout. Vous voyez, tous mes livres de point de croix, de ponche, de broderie, je crois. Non, point de croix. Ça, c'est parce qu'à quelques années, j'avais fait un cours de couture et je faisais pas mal de habits, mais j'ai arrêté. Je fais beaucoup moins, mais je gardais quand même. J'ai encore, voyez, c'est que de. C'est la plupart, c'est de point de croix, vous voyez, c'est en la broderie. Vous voyez là, je sais pas si vous le voyez, non. J'aimerais faire ça. Attendez, je vais le mettre là. Pardon. Comme ça, c'est très joli cette porte-monnaie. Je pense que j'avais déjà vous montré. Ça m'a coûté. J'ai acheté en deuxième main. Ça m'a coûté, je crois, 1 franc de chaque revue. Elle est comme ça. C'est en deuxième main. Mais je trouvais tellement joli. Et je trouve que c'est encore de la toile d'été. Regardez. Je sais pas si j'avais montré. Je donne. Je suis désolée, je suis à genoux. Non, je prie pas. Oups. Simplement, c'était pour chercher le livre. Livre, non, le revue. Des petits projets très mignons. J'ai acheté cette revue et deux autres encore hein, pour 1 franc chacun. C'était pas cher. Parfois, on trouve de très. Ah, j'ai beaucoup aimé cette coussin-là. Je crois que j'avais déjà montré. J'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est bien automnal, je trouve. Je sais pas qu'est-ce que vous pensez. Par exemple, celle-là. Après, oui, c'est point de croix. Oui, c'est point. J'aimais bien. J'étais très contente de mon travail.
Mais maintenant, depuis quelque temps, de temps en temps, je vais là-bas et je trouve plus rien. Je crois que j'ai tout acheté. Le reste, c'est de revues que ça, c'est pas intéressant. Ils ont beaucoup de patchwork, mais j'aime pas trop. J'aime pas trop. Je trouve c'est trop très ancien. J'aime pas. Oh, c'est joli, oui. Rappelais plus ça. Bon, tout ça pour vous montrer que je suis contente de cette, comment dire, chariot avec tout le matériel parce qu'il était dans le sac, c'était le bordel. Comme ça, elle va être à côté de moi et comme ça, je vais pouvoir faire mon futur projet créatif parce que vous savez, j'adore ça.